Ma mère era de Valabre, nessuno a Valabre, erano Bovi, voilà. Bovi e suo padre era Paul, e sua madre era Mariana. E quando si ben a Valabre, e dormì dentro le paiere che andavo alla casa, e andavo alla casa dentro le bar di Valabre, e in faccia al Ponte Paolo. Merci à tous d'être venus aussi nombreux partager ce moment de convivialité et d'amitié. Ce moment où on se retrouve chaque année ici à Notre-Dame-des-Neiges. En 1860 à peu près, mon arrière-grand-père est arrivé ici et il s'est marié avec une femme de Valabre du coup. Et ils ont fait un enfant qui était du coup mon arrière-grand-père qui est né ici à Valabre en 1894. Dans cette maison qui est là. Il fait des enfants, il a fait mon grand-père, qui est né à Saint-Étienne-de-Tinée. C'est la famille Miglior. Hein. Voilà. Et pour encore que le temps de même, venir voir la fête de Pain de Valabre. Voilà. Et je trouve que c'est très agréable. C'est un lieu, je dirais, béni des dieux. On se sent tranquille ici, loin de l'effervescence des villes, des soucis quotidiens que vous avez. Regardez, tout autour, ces mélèzes, ces montagnes. À découvrir, c'est magnifique. Non, je n'ai pas vécu ici. Mon frère a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais je, quand on est ici, c'est en 1949 à Saint-Saul. Et mes parents ont déménagé en 1950-51 à Tuy-sur-Loire. Donc pendant un moment ils ont habité ici dans les années 1900, puis après avec tout ce qui est la guerre, les technologies, tout ça, et tout le monde est parti, donc le village a été abandonné. Puis dans les années 1940 ils sont revenus pour l'été, les bêtes, avec les bœufs, les moutons, tout ça. Mon grand-père il s'occupait un peu de tout, mes oncles, parce qu'ils étaient 13 au total. Ça y a deux frères et sœurs de mon grand-père. Voilà, du coup, ils allaient mettre les bœufs à la chambard là. C'est pris un peu plus loin là-bas. Et ils mettaient un peu les moutons. Ils faisaient, mon grand-père, il faisait les légumes encore. Chaque année, il me dit, je trouve Valabre de plus en plus loin. Je sais pas, mais c'est de plus en plus loin. L'accordéon de plus en plus loin. Mais en tout cas, il est toujours là avec son fils Valentin, toujours fidèle au poste. Et donc, on les remercie très sincèrement pour leur, chaque année, leur présence ici, à ce temps, cet amour. Je vous dis, béni des dieux. C'est un endroit magnifique. Nous avons reçu du ciel et de la main de ceux qui ont préparé. Donc tout d'abord, on va remercier notre cher ami, le jeune. Bravo! Et on va invoquer la bénédiction du ciel. Avec joie, on va prendre ce petit refrain d'Alléluia que nous connaissons tous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vas-y, vas-y. Alléluia, Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, toi qui veilles sur chacun de nous, daigne bénir ce pain
vienne bénir chacun de nous et ceux qui l'ont préparé, toi qui es Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jamais la mer prochaine.